L'écho, 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 l'écho de ton village me rappellera toujours, toujours le son de ta voix. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'écho de mon village. Vu l'intérêt que vous avez porté à l'émission de l'année passée, nous, TV Beauce-Appalaches, ont décidé de nous donner une deuxième saison et on en est très contents. Cette semaine, nous avons trois artistes invités. Il s'agit de Madame M. Raoul Guilmette, Mme Jacinthe Guilmette, Ronald Turgeon ainsi que Marlène Vachon. Pour débuter, nous allons accueillir M. Raoul Guilmette. Je vous demande de l'applaudir très fort. Bonjour, M. Guilmette, ça va bien? J'ai entendu dire que vous aviez exercé un métier très difficile. C'était lequel? Le bûcheron. Vous avez été bûcheron. Je pense que vous avez été ébéniste aussi, hein? Oui, ébéniste. Puis quelle pièce vous allez nous interpréter aujourd'hui, M. Raoul? La polka. Ça va être la polka de Disney. Merci, très belle pièce, monsieur Guilmette. Comme deuxième pièce aujourd'hui, vous allez nous interpréter quoi? Le Ré Lapite. Le Ré Lapite, et c'est parti pour le Ré Lapite. Thank you.
Eh bien, merci beaucoup, M. Guillemette. Très belle pièce et on se dit à la prochaine. Et comme deuxième artiste invitée cette semaine, elle est l'aînée d'une famille de 6 enfants. Elle est née à Sainte-Sophie de Mégantic. Elle habite maintenant Plessisville. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, très chaleureusement, Mme Jacinthe Guillemette. Bonjour, Mme Jacinthe, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va bien. Moi, j'ai entendu dire que vous aviez commencé à chanter à cause d'un défi. Oui, si je suis aujourd'hui, c'est à cause de Carole Larrivé, qu'on était au fromagerie dans le temps, elle me disait « Pourquoi tu ne chantes pas l'année prochaine? » Bien, à un moment donné, on est arrivé au mois de janvier. Puis elle dit « Jacinthe, as-tu tu chantes-tu? » J'ai dit « Non, l'année prochaine. » Elle dit « On est rendu au mois de janvier. » Fait que là, ça fait une quinzaine d'années de ça, puis c'est là que je suis rendue ici aujourd'hui. Vous avez toujours continué? C'est ça. Merci c'est bon. À Carole. On est content que vous ayez continué aussi. J'ai amélioré, en tout cas. Vous allez nous interpréter quoi comme première pièce? Le bonheur. Le bonheur. C'est quand on s'aime, quand on s'aime et qu'on est tous les deux. Le bonheur, c'est quand on dit je t'aime et qu'on lit des je t'aime dans ses yeux. Dans tes yeux, j'ai trouvé des dimanches, le soleil pour embellir mes jours. J'ai trouvé des nuits blanches et ces nuits nous donneront l'amour. Aujourd'hui, je sais que je te donne le meilleur de ce qui est en moi. Le bonheur, c'est quand on donne, quand on donne. Bien, merci beaucoup, Mme Jacinthe Guillemette. Et comme deuxième pièce, vous allez nous interpréter quoi? Diane, ma fiancée. Diane, ma fiancée. Et non, Diane, ma fiancée. Non, ma fiancée. Par un beau matin, sur le bord du rivage, à ses débuts, Diane se reposait. Je te serai fidèle, puisque l'on s'aime au parfum de l'amour. Au voyageur, je te serai fidèle, puisque l'on s'aime au parfum de l'amour. La guerre éclate sur les pentes d'Irlande, le beau soldat. L'espoir de bientôt revenir. J'ai fait l'amour d'un voyageur fidèle. Il est charmant, combien a-t-il d'attrait?
voyageur, je te serai fidèle, puisque l'on s'aime au parfum de l'amour. Ô voyageur, je te serai fidèle, puisque l'on s'aime au parfum de l'amour. 6 mois plus tard, quand il revient de France, avec l'espoir de revoir sa fiancée, mais il apprit qu'elle n'est plus de ce monde. Il déposa quelques fleurs à ses pieds. Repose en paix, Diane, ma fiancée. Repose en paix comme une fleur des champs. Repose en paix, Diane, oh ma petite. Auprès de toi, bientôt je reviendrai. Repose en paix, Diane, oh ma petite. Auprès de toi, bientôt je reviendrai. Merci. Eh bien, notre troisième artiste invité cette semaine, il s'agit d'un monsieur de Inverness, natif d'Inverness, il y habite toujours. Il est le 7e d'une famille de 10 enfants. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, monsieur Ronald Turgeon. Bonjour, Ronald. Comment que ça va? Oui, ça va bien, Jerry. Ça va bien, moi aussi, ça va bien. T'as des influences, hein? Tes influences musicales, c'est quoi, Ronald? Moi, c'était Mel Hager, puis Ricky Skye. Ricky Skye, ouais, deux bons chanteurs. Puis, tu vas nous interpréter quoi comme mélodie? La première pièce, ça va être Happy Acres Two Step. OK, c'est parti pour Happy Acres Two Step. Comme deuxième pièce, tu vas nous interpréter quoi, Ronald? Deuxième pièce, ça va être Les Petits Sauvages. Les Petits Sauvages. Oui,
oui, notre prochaine invitée est native de la Beauce. Elle habite maintenant à Disraeli, tout près du lac Bridges. À 7 ans déjà, elle chantait des chansons de Julie Darèche. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, Mme Marlène Vachon. Bonjour, Marlène. Comment ça va? Très bien, merci. Tu vas nous interpréter quoi aujourd'hui, Marlène? Ah, c'est une pièce de Mme Dany Darèche. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller sur mon épaule. Laisse-toi aller sur mon épaule. Laisse le temps passer son chemin. Et si parfois le chagrin te frôle, n'essaie pas de lui tendre la main. Laisse-toi aller sur mon épaule, sans craindre l'orage ou bien le vent. Laisse-toi aller sur mon épaule, passionnément, amoureusement. Les rêves qui tournent dans ma tête sont des rêves d'amour, de bonheur, aussi de merveilleuses refaites qui ravivent la flamme de mon cœur. Les rêves qui tournent dans ma tête me donnent une folle envie de ton corps, avec un désir qui fait en fête sous la dernière touche d'un accord. Laisse-toi aller sur mon épaule, laisse le temps passer son chemin. Et si parfois le chagrin te frôle, n'essaie pas de lui tendre la main. Laisse-toi aller sur mon épaule, sans craindre l'orage ou bien le vent. Laisse-toi aller sur mon épaule, passionnément, amoureusement. Ma vie semble accrochée à tes rêves, au présent et à nos souvenirs. Ils ne peuvent fondre ni disparaître, seul dans l'ombre, tu les feras s'enfuir. Ma vie est ce présent que je t'offre, avec toute ma sincérité. Les jours graves vont comme les orfraies de tous ces lettres du verbe aimé. Laisse-toi aller sur mon épaule, laisse le temps passer son chemin. Et si parfois le chagrin te frôle, n'essaie pas de lui tendre la main. Laisse-toi aller sur mon épaule, sans craindre l'orage ou bien le vent. Laisse-toi aller sur mon épaule, passionnément, amoureusement. Nous paraît éternel.
Eh bien oui, nous sommes déjà rendus à la conclusion de cette émission. Je vais vous interpréter une petite chanson de M. Johnny Cash, une chanson qui s'intitule « The Ring of Fire ». Well, love is a burning tin, but it makes the thought ring. Well bound, but what is iron? Did I fill into a ring of fire? Would I fill into a burning ring of fire? Well down, 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 and the flames went higher when it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Would I fill into burning ring of fire? Well down, 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 and the flames went higher than it burns. Burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of a love is sweet when hearts like ours meet. And I feel for you like a child. Whoa, but the fire went wild. But I feel empty, burning ring of fire. Went down, down, down. And the flames went higher and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. One more time. But I fell into burning ring of fire. I went down, down, down. And the flames went higher and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Merci beaucoup.